Mesdames et messieurs, salam alaikum les gens. Bienvenue à vous tous à ce rendez-vous dominical. Bien, bien, très bien. Yeah, this is good. Non, que n'importe quoi. Bassem, t'as sorti le polo pour le débat. Y a rien, y a rien. Arrêtez de planer, vous rigolez ou quoi? On était au golf. RDZ de la vanne EGR. Moi, la Ford Focus que j'avais, avec quoi je ne me suis jamais fait contrôle, pourtant j'étais en règle. Alors, pour ceux qui n'ont pas le permis, hein, roulez en Ford Focus. Les collègues, ils vous font signe. Le mec de Ford, il avait enlevé cette vanne. Moi, je vous la conseille de la retirer, cette vanne de merde. Cette vanne a problème. Voilà. Chef, oui, chef. Ça gaz. J'ai une Fiat Barchetta jaune. Qui suis-je? T'es un Claude Barzotti, toi. Attends. Ouais, tranquille. Ouais, on va parler. Salem en direct de la cuisine. Très bien. Ouais, t'as vu ce qui se passe, les kidnappings qu'il y a, putain, Paris. Les frères de Paris, ils sont à fond dedans, hein. Big dédicace à eux. Hein. On peut les applaudir, hein, les frères de Paris. Hein. Wallah l'adim. Hein. Y a un gang de Roumains là qui sévit apparemment. Mais moi, je comprends pas. Je pense que les Roumains, faut les laisser faire s'ils enlèvent des hijabeuses du 83, du 93. Mais qu'il enlève les hijabeuses du 93, on les escortera, nous, en bécane, s'il le faut. Mais là, ce qu'ils font à des petits, les frères de Paris, ils ont raison. Justice est ordonnée que par soi-même. Donc voilà, donc moi je pense qu'il faut les laisser, il faut négocier avec eux. Parce qu'apparemment, c'est un grand réseau. Donc il faut négocier avec eux. On leur dit, prenez pas les enfants, il y a des hijabeuses là-bas. Là. Va au KFC, il y en a plein. Voilà, je pense qu'on les met là-bas, voilà. Hein. Voilà. J'ai une Citroën, 300 000 km. Citroën, 300 000 km, il y en a beaucoup qui peuvent aller. En fait, c'est le moteur. Je crois que l'un des moteurs les plus solides de chez Peugeot, c'est le 1,4 litre, l'HDI. Celui de 90 chevaux, il est indestructible. Je crois, hein, je pense. Voilà. Ouais, Walid, non, Walid, je suis pas content, Walid. Wallah, c'est pas un turbo diesel. Le A205, je l'ai vu, c'est pas un turbo diesel. Et moi, il me faut un turbo diesel. Je veux un turbo diesel. Hier, j'étais sur le bon coin, j'ai regardé, j'ai appelé un mec. Il avait une 205, frérot. Écoute bien. 140 000 km. Frère, moteur de 405 sweep. Wallah, il avait monté le turbo à 1,4 pression bar. Ça devait être une fusée Ariane. Moi, je veux un truc comme ça. Si je dois acheter une 205 diesel, je veux tomber sur un fou comme lui. Je l'ai appelé, je lui dis, oh, elle est à vendre. Il me dit, il y a déjà des gens qui vont la récupérer ce soir. J'étais traumatisé, frère. Wallah, je voulais négocier avec lui. Vas-y, moi, je te file un petit peu plus. Il m'a dit, non, t'as vu, moi, je suis un homme de parole. Je dis, ah, entre hommes de parole, on se comprend. Après, il me dit, mais ta voix, elle me dit, tut, vous êtes sur le répondeur. Mais wallah, putain. Moi, c'est ça qu'il me faut. Oh, écoutez, non, mais écoutez-moi bien. Il y a un mec dans mon quartier. Il avait une 205 comme ça. Mais dedans, il avait mis un moteur de 306 turbo-diesel. Wallah, quand il passait, on l'entendait siffler. C'était un avion. Donc moi, je veux un truc comme ça. Ah ouais. T'as une Saxo. Mais frérot, les Saxo 1,5 litre 5D, elles sont increvables. Increvables. AX 1,5 litre 5D. Les AX, faut surtout pas les prendre en 1,4 litre 4D. Joint de cucu direct, frérot. Non. Prends 1,5 litre. Citroën, les Saxo, t'as à la poste, là. Oh là 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 là. Oh là là là. Voilà. Non, c'est le 90 chevaux, indestructible. Arrête de rager. Voilà. Voilà. Farid Benadjina, Nabil Satouri. Farid. Salam alaikum, mon frère Farid. Je suis heureux et ravi de t'avoir avec moi, mon frère. Farid, c'est un frère à qui on était de la maternelle jusqu'à là maintenant. Embrasse tes enfants, mon frère Farid. Voilà. Ils sont là, les vrais lingels. Hein ? Dis-leur, notre génération, on était comment, frère Farid?
Le frère Nabil Satouri, mashallah, professeur, il avait une 205, elle était fantastique. Fantastique, elle était. Attends. Wallah. Voilà. J'ai une Mercedes. Ouais, bah ouais. Non, le 525D, bof. J'ai une Corsa 2004. T'as écouté le nouveau son de PNL? Non, Hakarbi, j'ai pas écouté. Et Inch'Allah, ya Rabbi, je deviens sourd si je l'écoute. Non, PNL, c'est bien ce qu'ils font. Ils font. Laissez-les. Ils vont faire comme d'habitude. Ils vont rester 2, 3 mois, ils vont partir et ils vont laisser plein de petits maghrébins en galère avec des cheveux longs. C'est dommage, mais bon, force à eux. Voilà. Voilà. Ah, Thomas, les M5 E39, attention. Tu sais que le moteur de la M5 E39, 400 chevaux, turbo, diesel, sport, injection, frère, 400 chevaux, c'est un V8, 4,4i. Sauf, en fait, c'est le même moteur que la série 7, hein, sauf qu'il le gonfle. Frère, c'est un V8, 5 litres. Qu'est-ce que ça marche? Par contre, attention, ça boit beaucoup d'huile. Toujours faut avoir des bidons d'huile. Regardez la jauge. Frère, je connais un frère, il a claqué un moteur comme ça. Voilà. C'est quoi le nouveau snap? Il est inscrit en bas, frérot. Voilà. Ouais, j'ai déjà testé la R32, bof, 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 bof. Mais pour moi, la plus jolie R32, c'est la 4. Mais bof, franchement, surtout les premières, elles avaient des problèmes. Non, bof, 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 bof. Moi, il y a une voiture que j'ai conduite, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Un jour, je travaillais avec un mec, c'était un blanc. Il avait une Honda Civic, VTEC. C'était mon voisin. Et moi, je voulais esquive à chaque fois. Tu sais, tu les connais, tu sais, les blancs. Viens, on fait du covoiturage. Vas-y, frérot, Hachem, j'ai pas envie de monter dans ta voiture. Fast and Furious, Zabi. Des ceintures bizarres, rouges, là, tu t'es croisé comme ça. Ah, t'as Hachem, frérot. Voilà. Et il me dit, mais je teinte très vite la semaine prochaine. Je lui dis, teinte, et après, on y va. Wallah! On est parti au travail ensemble. Frérot, sa voiture, c'était une moto. Mais quand je te dis une moto, c'est pas qu'elle marchait comme une moto. Hakrabi, qu'elle ruptait à 9000 tours minute. Il la faisait monter à 9000 tours minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Je lui dis, ton compteur, il a un blème. Elle ruptait pas. En fait, les moteurs VTEC, ils ruptent pas, ils montent haut dans les tours. C'est des bons moulins, c'est costaud, c'est solide ça. Mais franchement, franchement. J'en achèterai. Moi, j'aime pas trop le style. Non, 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 non. Non, 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 non. Voilà, non, non. Toi, t'as un budget de 2500? Bon, mesdames et messieurs, soyez le bienvenu. On parlera de voitures plus tard. Aujourd'hui, il y a un débat que j'ai envie de faire avec vous. On va un peu parler de l'envers du décor des péripatéticiennes. Sur M6, il y a Enquête Exclusive, Radio TH, il y a Bassem Halib. Donc nous, évidemment, on va essayer de débattre avec une escorte, mais on n'est pas là pour juger l'escorte. Non, je m'en bats les couilles, moi, Edel. Moi, ce que je veux savoir, c'est l'envers du décor. Qui sont ses clients? S'il y en a déjà un qui avait un caleçon Léopoldo et des chaussettes Artego. Si, est-ce que les clients renois chantent du dadju? Est-ce que les blancs ont des poils? Tu sais, plein de trucs comme ça, on va essayer de poser des questions comme ça. Et après, on parlera de Syrah Cosworth. Voilà, ouais, très bien. Bon, allez. It's match in Gesine. Ouh, ya. Attends, tu vas voir. Alors, attends. Tiens, elle m'appelle, elle est pressée. Ça va, ça va, ça va. Bon. Pourquoi j'ouvre la page d'Apple Store? Alors, il y en a un là.
ZER93 sur Snap, pourquoi tu m'envoies une photo d'un papier, d'un sopalin et tu me dis, bah Seb, je suis prêt pour le débat. Sale, mais t'as pas honte? Voilà, ma tachemche. Tu m'envoies ça, moi, je suis ton pote, moi. Sale PD, va. Envoie-moi plus des trucs comme ça. C'est des malades, les gens. Attends. Voilà, j'ai... Putain. Célèbre l'armée, célèbre. Bien joué, les militaires, hein, les frérots. Voilà, vous connaissez la procédure. TH, en une heure, l'affaire, elle est pliée. Hein, voilà, hein. On a eu une vidéo. Bon, bah, très bien, très bien. Très bien. Ouais, les voleurs d'enfants, on va parler après, ouais. Ouais, ouais. Je suis malade. Complètement malade. Bon, attends, ça va. Alors, attends, juste on se connecte. Vite fait, on the street. Oh, vous l'avez vu? Oh, les gens. Juste avant de commencer le débat. Vous l'avez vu, le truc sur Michael Jackson? Non. Hier, j'ai regardé sur replay, j'ai collé l'embrayage. Mais tu sais ce qui... Vous savez ce qui m'a frappé dans ce reportage? Et c'est là où on va voir la cérébralité des gens. Est-ce que vous savez, moi, ce qui m'a flingué dans ce reportage? C'est une phrase qui m'a flingué. C'est quand il y en a un, il dit... Alors, il y en a un qui s'est... Alors, ceux qui ont parlé, c'est ceux qui se sont fait violer, bah, apparemment. Il y en a un, il a dit... Quand il y avait un nouvel enfant qui venait, on était jaloux. Vous vous rendez compte jusqu'à... Comment le truc est monté à son paroxysme? Ils sont venus témoigner pour lui. Syndrome de Stockholm. Par excellence. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit non. On était... Le mec, il avait 10 ans, il était jaloux qu'un nouveau enfant venait, il pouvait plus bagnette Michael. Vous êtes sérieux, là? Non. C'est... Non. Putain, pourtant, Michael, tu m'as fait rêver, moi. Putain, Michael. Non, Michael, c'est pas possible. Putain. Wouah. Bon. Voyons voir. Non, mais, oh. On aime tous Michael, on vous a pas dit le contraire, mais franchement... Sa vie, elle était bizarre. Wako Jaco, il était méchant bizarre, les frérots. Rien que Neverland, Starfalla. Tu sais ce qu'il disait, le gamin? Il y avait deux choses avec Michael. Des bonbons et du porno. Cet enculé, il faisait des trucs de dingue. Il disait au gamin, c'est comme ça qu'on s'aime. Oh, un moment, vous savez ce qu'il a fait? Écoutez bien. Un moment, il y en a un, il raconte, il disait, quand il était petit, il dormait dans la chambre. Il disait, un jour, je me réveille, je vois Michael en train de pleurer dans un coin de la chambre. Le petit, il va le voir, il lui dit, qu'est-ce que t'as, Michael? Il y a Michael, il le regarde et lui dit, vous allez partir demain, je veux pas que vous partez demain. Et tout, finalement, le petit, il est allé voir sa mère. Les parents, ils sont partis et il a réussi son coup, il l'a eu pendant 5 jours. Et le mec, il a dit, le soir même, mes parents, ils sont partis, il m'a mis ma main dans le paf, le soir même. Il est trop fort, Michael, danse. Non, bord de rire. Arrête de me dire c'est faux. Wallah, il est bizarre, ce mec. Il se bagnettait devant des enfants. Frérot, HM, Michael, non. Attends. Non. Non, mais après, franchement, bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je regarde, je préfère... Mais moi, oh, vous avez vu, les mecs, comme ils sont amoureux encore? Ils sont amoureux. Amoureux. Les mecs, c'est des... Il y a juste la maman, elle a dit, quand j'ai appris qu'il était mort, je me suis dit, ouf, il touchera plus à des enfants. Putain de merde. En tout cas, franchement, Neverland, rien que t'arrives à Neverland, Starfalla, les frérots, t'es malade ou quoi?
Tu ramènes ton enfant, t'es avec un mec qui a un chapeau, qui a un parc d'attractions. Mais t'es... Mais wallah, mais... Non, attends. Ferme-la, toi. Ferme-la, branleur. Ferme-la. Attends, femme, hein. Ah non. Attends, j'arrive. Ouais. Attends, ça m'intéresse. Juste, je prends le num là. Attends, c'est bien le numéro que j'ai pris là? Bon, ça répond pas. Attends. Alors attendez, je vais voir si j'ai pris le numéro. Ouais, tu recrutes, ouais. Ok, attends. Attends, c'est bien le numéro que j'ai noté là? Ouais, c'est bien ça. Alors attends. Ah, s'il vous plaît, les bandeurs d'hommes qui m'appellent sur Snap, vous passerez pas à la radio. Les bandeurs d'hommes, allez appeler des meufs. C'est un truc de fou, la tête de ma mère, je rêve. Je rêve. Bon, elle est où cette bitch? Enfin, la péripatéticienne, là. Attends. Attends, on va rappeler, on va voir. Non mais oh! Allô? Allô? Voilà, attends, ça a bugué. Fais chier, fais chier. Allô? Bonsoir. Allô? Oui. Ça va, tu vas bien? Alors, est-ce que tu peux baisser ton live? Mais pourquoi ça coupe à chaque fois? Fais chier! Pourquoi ça coupe à chaque fois? T'as pas, elle est en règle, ta puce, c'est qu'à mobile. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Oui, allô? Oui, allô? Ouais, je t'entends. Comment ça se fait que ça coupe à chaque fois? D'accord, très bien. Bon, alors, est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Ouais, alors je suis en voiture, hein. C'est pour Ah, ça. t'es en Tu m'entends mieux voiture? là? Ouais, Ouais. gare-toi. Mets-toi sur le côté. Ouais. Ouais. Vas-y, vas-y. Bon, Vas-y, très bien. Déjà, merci de témoigner. Merci d'être là, hein? Donc comme je te De l'ai rien. dit, je suis amené à en parler de ça parce que tu es venu vers moi, tu m'as dit ce que tu étais, j'ai dit bah tiens, avant de te bloquer, je me suis dit bah tiens, j'allais faire un débat dessus. Tiens. Donc Voilà. toi, on va dire, tu es escorte. Donc ça veut dire que tu es escorte, ça veut dire que tu es une femme vénale, tu bosses pour un peu de sous, c'est ça? D'accord. Alors... C'est comme je te l'ai dit, je suis pas là pour qu'on parle de la prostitution ou de ta vie, je m'en fous de ça. Non, moi j'ai juste envie que tu nous parles un petit peu de l'envers du décor. Qui sont tes Ouais, clients? Tu fais ça depuis combien de temps? Est-ce que des fois l'enjeu a dépassé le jeu? Pourquoi tu fais ça? Après, sans rentrer dans les détails, bien évidemment, je donne pas ton nom ni ta localité, on s'en fout de ça. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je veux juste savoir. Voilà, on a plein de questions à te poser. Alors dis-moi, tu as quel âge? moi j'ai 24 ans. De quelle origine t'es? Je suis tunisienne et française. T'es franco-tunisienne, d'accord, très bien. Voilà.
Qui est le Tunisien? Non, pas comme moi. Non. Alors, ouais, bon, allez, comme moi. D'accord, bref, c'est pas grave. D'accord, donc, alors, dis-moi comment ça marche. Est-ce que tu travailles la semaine ou est-ce que tu fais ça quand tu as envie? Est-ce que tu te donnes des jours? Tu fais ça chez toi? Tu fais ça à l'hôtel? Ou tu fais ça comment? Alors, moi déjà, je fais quand j'ai envie. Après, je me fixe quand même, on va dire, des objectifs. J'aime pas trop bosser le week-end, voilà, pour profiter plus de ma vie perso. Après, je bosse en hôtel, uniquement en hôtel ou parfois à domicile. Ça dépend des villes, en fait. Ça dépend des villes, de la personne. Puis voilà, ouais, la Parce que tu semaine, te parce que voilà. tu te déplaces, parce que tu te déplaces dans les villes en fait. Ouais. En fait, dans certaines villes, je travaille dans plusieurs villes. Selon la Ouais. ville où je suis, je peux me déplacer à domicile. Par exemple, quand D'accord. je suis à Paris, je me déplace dans Paris, mais uniquement dans Paris, pas banlieue, tu vois? D'accord. OK. OK. Et donc, c'est quoi la motivation en fait que tu as? C'est uniquement pour le dessous en fait. C'est de l'argent facile. Bah ouais. Ouais, voilà l'argent. Comme un gars D'accord. qui va dealer, tu vois. C'est pareil, je le considère pareil. Alors, tu travailles sur quel support en fait? T'es sur Internet? Alors maintenant, tout passe par le web, je pense, non? Ouais, Internet, ouais. Au début, tu connais, t'as une annonce. Après, le bouche à oreille, surtout. T'as fait ça toute seule ou il y a quelqu'un qui te chaperonne un peu, qui te... Non? Alors, au début, ouais, c'est mon ex qui m'a mis dedans, voilà, C'est ton ex qui t'a mis clairement. Et dedans? Ouais, ouais, il m'a d'accord. mis dedans, il m'a un peu Ouais. forcé, tout ça. Après, quand lui, il a été mis hors d'état de nuire, disons, eh bien, moi, j'ai continué un petit peu, bah voilà, pour la thune. Mais Alors après, voilà, quand c'est il, quelque chose, il faut fixer un alors mari, on va quand, dire. voilà, alors quand il était avec toi, pendant que vous aviez une relation, il t'a initié à la prostitution, Voilà. quoi. Tout à fait. Putain de merde. Ok, T'as vu? d'accord. Mais dis-moi pas, tu as vu. Alors dis-moi comment ça s'est passé. Il t'a dit, je pense qu'il faut que, ou ça lui est venu d'un seul coup, ou il avait un comportement bizarre, parce qu'évidemment, hein, on va parler aussi de ça. De ce qu'il y a dans les cités un petit peu là en ce moment. Mais ouais, non, mais c'est intéressant. Alors tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé? Tu es tombé dedans. Alors Ah. dis-moi comment il te l'a Alors en dit fait en fait. c'est ouais. En fait c'est une histoire un peu compliquée. Déjà lui-même il était taré en fait, hein. C'était un malade, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble et lui il me tenait vraiment à la fin par la violence. Moi je voulais le quitter, etc. Bref, passons les détails. Et en fait il me tenait vraiment, il menaçait de tout, de voir ma famille, voilà. Et donc en fait il me faisait faire tout ce qu'il voulait, y compris ça. Parce que le mec il était dans son petit deal ne marchait pas vraiment, on va dire. C'est quoi? C'était quoi Et l'origine de ton ex? C'était un Kabyle. Vas-y donc. Et ensuite? Et ensuite, bah voilà, il m'a forcé à faire ça. Donc, bah, ça n'a pas été très marrant les débuts. Après, ben moi, il y a des dettes, enfin des dettes. Non, pas des dettes qui sont accumulées, mais comme l'argent, il apprenait pour lui, disons. Moi, je payais pas mes charges à côté, mes choses, tu vois, j'ai une vie à côté. Parce qu'avant, moi, je travaillais, j'avais un vrai métier, tout ça, tu vois. J'ai fait des études, etc. Et donc, bah voilà, bah moi après, mes trucs s'accumulaient. Donc, quand il a été mis hors d'état de me nuire, et bah après, moi, il a fallu que je paye tout ce que j'avais en retard. Et puis, bah là, aujourd'hui, je me suis dit, autant fixer un objectif, hein, une somme, pour ne pas Ça veut arrêter, dire en quoi, fait, parce que je hors paye d'état pour de... rien, quoi. Ça veut dire quoi, hors Hors état de d'état, nuire? Ça veut dire il est en prison? des amis s'en sont occupés. Non, des amis s'en sont Des occupés. amis s'en sont occupés, d'accord. Bon, Voilà, alors, ouais. il t'a menacé la première fois ou il t'a dit comment? Alors, tu as été contraint de le faire. Oui, voilà, tout passait par les coups, par lui. Tu vois, que ce soit couché avec lui ou avec les clients, tout passait par les coups. D'accord. Voilà, en D'accord. bref, c'est ça. Mais tu craches dans la soupe là, parce que tu Non, je dis crache pas dans tout la soupe passait, parce que, bah comme je tout te passait dis. par les coups. Et puis là aujourd'hui tu travailles aussi encore là, non? Voilà, Ouais. mais est-ce que tu m'as écouté quand je t'ai dit après que, comme quoi, moi, j'avais mes charges à payer, et après, donc une fois que ça s'était réglé, eh ben, j'ai préféré me fixer un objectif, une somme, plutôt que de m'être sali pour rien, tu vois, j'ai pas envie de m'arrêter les mains dans les poches, tu vois ce que je veux dire? Bah évidemment. Alors attends. Alors Ça serait cool quand moi. même. Ouais, bon, ouais. Moi, j'aimerais juste savoir une chose. Alors, quand tu dis qu'il te ponctionnait tout, genre, ça marchait Ouais. comment? Allez, sur une passe de 100 balles, normalement, tu prends 60-40, à peu près, non, je Non, en crois. fait,
Il prenait tout et il m'en laissait un petit peu histoire de payer mon essence, mes trains, enfin, mes petits trucs, voilà. Mais sinon, il prenait tout, il n'y avait pas d'histoire de pourcentage. Il considérait que je suis sa meuf, donc c'est à lui. Et tu faisais quoi comme... Alors, c'était quoi le nombre de pas? C'est-à-dire, tu travaillais comment? Tu faisais ça à contre-cœur? Alors, à partir de quel moment t'y as pris goût? Alors, on ne peut pas dire prendre goût vraiment, mais après, en fait, c'est quand j'ai eu les clients, en fait, quand j'ai vu quels sont les types de clients, pardon, bah, c'est mieux, en fait, c'est pas forcément, on s'imagine des vieux dégueulasses ou que des dégueulasses déprimés. Enfin, voilà, en fait, c'est pas du tout ça, en fait, c'est vraiment, il y a beaucoup de beaux mecs, enfin, très, très, très beaucoup de jeunes. Enfin, moi, pour te dire, j'ai 90% de jeunes et 99, enfin, 99% de jeunes et 90% de rebeux sur tout ça, tu vois. C'est Donc, quoi bah, que c'est t'appelles des déjà jeunes? des jeunes, on va dire moyenne entre 25 et 25-30 ans, tu vois. Allez, Ouais. 32 ans, même par là, tu vois. Après, je considère daron vers 35-40 ans. D'accord. Alors aujourd'hui, comment Alors. tu... Alors aujourd'hui, comment ça marche? Donc petit à petit crescendo. Donc aujourd'hui et après, Voilà, bon, donc. tu t'es fait un petit nom, si on peut dire ça. Voilà, tout Et à puis, fait. J'ai ma clientèle dans tu as plusieurs villes. fidélisé ta clientèle? Ouais. Tout à fait, voilà, 100% de ma clientèle est Incroyable. fidèle. Donc D'accord, voilà. ok. Très bien. Bon, viens, on parle un peu des clients. Alors, les clients qui viennent te voir, alors dis-moi, comment tu choisis? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu subis ou tu choisis? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es devant ton Maintenant, j'ai écran, choisi. tu te dis, putain, Mais déjà, non. lui-même, mon ex était déjà bête parce que quand on fait bosser une meuf, on lui laisse pas le téléphone, on lui laisse pas le choix. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc au final, ben moi j'ai ma clientèle, enfin j'ai le choix, donc je demande bien généralement des photos. Je marche beaucoup par Snap, donc après je peux voir, enfin je regarde un peu les stories, voir comment ils vivent, je les ai au téléphone, tout ça. Et donc voilà, après je l'ai choisi comme c'est un peu surtout au physique. Tu parles de Je Snap sais que. si tu parles de Snap si tu donnes ton Snap dans ma radio, je te bute. On Non, non, soit non, clair. moi-même, Voilà. sinon, Très très bien. Non non non. sinon j'aurais donné mon prénom, Restons tu vois, corrects. j'ai pas envie qu'on Restons me reconnaisse. corrects. Voilà, voilà, voilà. Voilà, Voilà. restons corrects, tout à Donc fait. alors donc toi tu as le choix, tu les choisis. Donc une fois qu'ils viennent, alors dis-moi c'est quoi le prix à peu près le prix moyen Le prix de moyen, ça dépend des villes. Sinon, c'est minimum 100 ça euros dé... pour les provinces Ça dépend ou des villes, 150 pour un pays. c'est magnifique. Bien sûr, T'appliques il faut faire l'indice. une étude de marché. Mais sur la tête de ma grand-mère, carrément. Alors ouais, tu crois qu'en Avant. province, genre à Clermont-Ferrand, ou genre, je sais pas, genre, c'est où est-ce qu'ils sont au chômage là? Voilà, genre dans le nord, si tu vas dans le nord, ça va être moins cher que si tu vas à Paris, c'est Bah, ça? minimum 100 euros, je fais. Voilà. Et Paris, 150 pour 30 minutes, on 150 parle. Paris, non Après, mais t'as voilà. raison, faut les plumer, c'est Parigots de merde. Non, je rigole, non. Les Ouais. Parisiens, ils ont de l'argent. Non mais bon, Voilà. 100 euros, quand tu dis 100 euros, c'est quoi? C'est un acte en entier? C'est quoi? 30 minutes, ouais. 30 minutes ou enfin l'acte. S'il s'arrête au bout de 3 minutes, bah tant pis. Tu vois? Parce qu'il y en a qui s'arrêtent au bout de 30, 2-3 minutes? Ah mais il y en a beaucoup, beaucoup, pratiquement. Ouais, beaucoup, beaucoup en fait. Mon Dieu. Beaucoup ne tiennent pas. Ouais, parce que je te comprends, tu n'as pas encore connu la Luftwaffe. Non, ouais, non. Non, ouais, c'est vrai. Waouh. Et c'est des. Ouais. J'en ai qui Et. durent, hein, vraiment, qui profitent vraiment de leurs 30 minutes. J'en ai, ils ont besoin de me prendre 1 heure pour bien profiter. Ou même, Une il y en a, ils me heure. prennent 1 heure. C'est lourd, une Il y a heure. un rapport et après, on se pose. Ils prennent, on fume un Ah, joint, enfin, d'accord. on se pose. En juin, parce que ils te racontent leur vie, les enculés, en Ah plus. oui. Ah, mais je Putain de connais merde. toute leur vie. Ils me parlent même dans des villes, quand je commence à être connue dans une ville, je connais plusieurs groupes de copains, on va dire, et l'un va me parler sur l'autre. Lui, il a fait ça. Lui, il est monté en prison, etc. Tu vois, je connais leur vie. En fait, je suis leur pote en même temps, en fait, on va dire. Enfin, il n'y a pas non plus de relation amicale, hein, mais quand ils viennent, enfin, ils me parlent bien. Ils me parlent de leur femme, de leur gosse, De leur de femme, tout. de leur gosse. Tu sais, bêtement, Non. je sais même les coups qu'ils ont fait dans une ville. Par exemple, il y en a, il va aller faire un braquo quelque part, ils vont me le raconter le soir. Tu vois? Suis Mais la t'es femme sérieux? parfaite pour les hommes, en fait. Mais t'es Tu sérieux vois, quand je tu me parles tais. là? Ouais. Non, Bon. sérieux, c'est déjà arrivé, pas tous non plus, hein, mais je connais déjà deux, trois personnes, ils me racontent les trucs qu'ils font. Vraiment, C'est vraiment. incroyable mais vrai. Wallahi l'azim, c'est en fait, comme je lis un commentaire là, ils sont victimes d'un désert affectif. Ouais, voilà, exactement. En fait, ils me Alors, racontent des choses qu'ils ont racontées on à est leur femme. d'accord, que là, tu parles de la street, là. Hein? Tout à fait. Putain de merde.
Non, non, les alors, mecs, tu les, vois, les tu gens qui disent... Attends, les gens qui disent que c'est une mytho. Vendredi, on a échangé quand pour le débat, là ? Avant-hier. Bon. Voilà. Avant-hier, je voulais faire intervenir ton copain, la folle, là. Mais toi, tu m'as dit qu'il ne voulait pas parce que peut-être qu'il a peur qu'il se fasse reconnaître avec, avec sa voix par des gens. Bon, je vous ai demandé de m'envoyer... Tu m'as dit vous aviez une photo où vous étiez à deux. Je vous ai demandé de m'envoyer la photo. J'ai vu les têtes. Sur la vie de ma mère, on ne soupçonnerait jamais. Hein. Le mec, là, à côté de toi, c'est un mec, un OPJ. C'est un OPJ. C'est un flic. La vie de ma mère, c'est... Tu vois les têtes, c'est vraiment pas cliché, quoi. C'est un truc de fou. D'accord. Tu exerces toute seule depuis combien de temps, maintenant ? Maintenant, ça fait 4-5 mois, à peu près. Ah, mais c'est tout frais, en fait, du coup. Oui, voilà, oui. Moi, ça fait à peu près un an que je fais ça. Donc, ouais, ça fait 4-5 mois et voilà, quoi. D'accord. Est-ce que, une fois l'enjeu a dépassé le jeu, est-ce que comment tu t'es pris dans l'affection pour une personne, est-ce que un jour tu ouvres ta porte, tu vois ton client, tu dis putain ce beau gosse? Alors, on peut pas dire de l'affection, ouais, putain ce beau gosse, ouais, je me le dis. Il y en a avec qui je m'entends un peu mieux que d'autres. Il y en a par exemple, ça me dérange, si j'ai du temps, on peut fumer un petit joint ensemble, on peut, voilà. Mais après, non, j'échange pas dans ma vie privée avec eux. Je, vraiment, professionnel, c'est comme si tu travailles dans une entreprise. Moi, mes collègues, par exemple, avant, je leur parlais pas, enfin, je leur parlais au travail, en dehors, je leur parle pas. Là, c'est pareil. Après, le problème, c'est eux. Il y en a beaucoup qui tombent amoureux. Beaucoup, beaucoup, en fait. Vraiment. Alors, est-ce que... Il tombe amoureux parce que justement, c'est pas un peu de ta faute parce que tu fumes des joints avec eux. Parce que là, tu te revendiques professionnel. Bon, je suis d'accord, mais ouais, t'es pas aussi professionnel que ça. Un mercenaire oui, du bien-être. Des... Non, mais attends. Je m'accorde un petit peu de temps des fois. Voilà. Si j'ai le temps. Un mercenaire, c'est quelqu'un, tu lui donnes un travail, tu le payes et il le fait. Il le fait vite, il le fait bien. Le fait est peut-être le mercenaire, il n'a pas son chiffre à gérer derrière. Moi, il faut que je fidélise ma clientèle, on va dire. Donc, c'est pas que je me force à faire ça pour fidéliser, mais en tout cas, ça fidélise énormément. Et même pour moi, c'est un petit peu plus agréable. J'ai pas envie de travailler comme une machine, tu vois, passe. Tu vois, il y a le côté humain quand même qui compte. C'est, le c'est côté commerce, humain, ouais, mais c'est du commerce, le côté humain. Tu me diras, c'est le plus vieux métier du monde. Bon, tout d'accord. À fait. Tu vois, quand on dit sale pute, c'est comme si tu dis sale étudiant. Ça le marchand, c'est un métier en fait. C'est même plus une insulte aujourd'hui. Et si tu savais le nombre de gamines qui admirent les escortes, le nombre de filles qui m'ajoutent. T'inquiète pas, on va y venir. Bouge pas. Alors attends. Très bien. Moi, je veux juste parler avec toi sur une chose. Est-ce que t'acceptes tout type de clientèle ? Non. Comme je l'ai mis en annonce, dans mon annonce, je me permets de refuser. Aussi bien pour eux que pour moi, parce que si la personne me dégoûte, il va le voir, en fait, clairement. Que ça non, mais alors, non. Et là, je te pose une question précise. Est-ce qu'il y a des gens... Je vois ta question. Non, mais est-ce que, par exemple, il y a des escortes qui ne prennent pas des robeux ? Il y a des escortes qui ne prennent pas des... Je prends pas les Renois, tu vois. Tu prends pas les Renois ? Comme quoi, pour tricher... non, je prends pas les Renois. J'aime pas trop... Malgré que t'es une pute, j'ai envie d'égorger un halouche. Un halouche pour elle, putain. Malgré... T'es une pute, mais t'es pas de la cinquième colonne, toi. Parce que la cinquième colonne, c'est ceux qui trahissent. Ouais. Mais Non, je rigole, non. Alors, plus sérieusement, pourquoi ? Parce que quoi ? C'est quoi ? C'est parce que t'aimes pas ? Parce que quoi ? Ouais, parce que j'aime pas. D'accord, ok. Les gitans aussi, j'aime pas. Les gitans, t'aimes pas ? Chinois, bon, j'ai pas vraiment eu de demande, mais chinois, je prendrais pas non plus, franchement. Pourquoi ? Mais c'est plus vraiment Renoir, tu vois, Renoir, je peux pas. Renoir, même dans ma vie privée, enfin, moi, tu vois, j'ai ma cousine, elle est mariée avec un Renoir, bah, franchement, j'ai le mort, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, pourquoi, pas que je sois s'ils sont heureux. Sur les principes. S'ils sont heureux, ils sont quand même heureux, mais voilà. Non, mais tu le métissage, j'en ai d'accord, mais voyons, c'est pas une péripatéticienne qui va me parler de principe. Non, hein. Voilà, restons dans le débat. Si, on peut avoir des principes quand même. D'accord. Alors, au niveau de ta cousine, bon, bah, si elle est mariée avec lui, si tout se passe bien, moi, je combats pas le métissage. Ah, ils se sont métissés. Moi, je combats l'apologie du métissage.
C'est pas pareil. Je le combats pas non plus, mais je ne le ferai pas. Tu T'as, vois, mais t'as, je le en ferai pas, il fait, n'y aura pas que. en fait, t'es, en fait, limite, j'ai envie de dire, t'es une quelba respectable. Ouais, en fait, ouais. Tu te métisses Oui, pas, parce tu que. putain, c'est fantastique. Enfin, ouais, bon, bah écoute, d'accord. Pour Ah, donner un alors. exemple tout con, tu vois, par exemple, moi, pour moi, le ramadan, je ne le fais pas. Alors que, par exemple, un fumeur de shit, un mec qui va aller baiser partout, il va le faire. Pourquoi être Ouais, moi. hypocrite et dire pendant 30 jours, je vais me restreindre, mais vivement le 31e Ouais, jour que moi j'aille le foutre la flamme, tu premier. vois ou quoi? Moi le premier. Et ben Moi le voilà, moi, premier. ça, Sauf c'est que, des principes que j'ai. voilà, sauf que j'ai une question à te poser. Si je suis Bien sûr. sale, est-ce que je peux me laver ou est-ce que je dois me ressalir par-dessus? Tu peux te laver, mais le but, c'est de pas se ressalir. Tu vois, tu fais de la mécanique, tu vas te laver, tu vas pas aller refaire tout de suite de la mécanique. Bah Même, c'est enfin, bah après, tu vas le refaire, c'est mais le haram, c'est pas pareil, tu vois. D'accord, très bien. Alors arrêtez de dire que ces principes, c'est la sodomie. Non, tu pratiques pas toi ça, non? Non, je prends pas. Non, je fais pas derrière, j'aime pas. D'accord, très bien. T'aimes pas. D'accord. Alors, est-ce que t'as une vie est-ce que t'as un petit copain? Est-ce que t'as un mec qui a une canne, qui est aveugle? Non, enfin, est-ce que plus Non. sérieusement, est-ce que tu peux joindre Non, j'ai pas. les deux bouts? Non, t'as pas? Non? Ouais. Par contre, tu peux joindre les deux bouches. Et tu sais, je pourrais me contenter de michto un gars. Il y a tellement de gars, michtonne-moi, s'il te plaît. Mais j'ai pas Putain de envie de vivre merde. au crochet de quelqu'un, tu vois? Bon, en soi, je considère pas que ce que je fais, c'est un exemple, hein, loin de là. Mais j'ai pas envie de vivre au crochet de quelqu'un, faire croire à un mec que je l'aime, blablabla, blablabla, juste pour gratter sa thune, tu vois? Je peux pas faire des trucs comme ça. Mais après, non, je ne suis pas un couple et tant que je ferai ça, je ne veux pas m'y mettre. Même si on serait d'accord. En parlant de michetonnerie, tu peux nous Oui. dire à peu près combien tu fais le mois? Ça dépend vraiment, mais ça tourne. En Si je bosse moyenne, pas trop, en moyenne. ouais, si tu bosses pas vraiment, tu fais du 6-7 000. Après, voilà, c'est sans quand je dis pas bosser trop, moi je bosse pas le week-end, comme je disais. Quand je suis fatiguée, je préfère m'arrêter. Enfin, voilà. Est-ce qu'il t'est déjà Après, je bosse, arrivé on va qu'il dire, ouais, 5 jours dans la semaine. Il t'est déjà arrivé. Ah, tu bosses 5 jours. T'as même une carte de À pointage. peu près. Alors, À tu sais, peu quand près. tu. Non, à peu près. Si j'ai envie de bosser que 2 jours, je le fais. Après, tu sais, il y a des jours de pointe, hein. Dimanche et lundi, c'est mort, par exemple, un peu. Enfin, il y a, mais moins. Jeudi, vendredi, samedi. Mais le samedi, je fais pas trop. Mais pour moi, jeudi et vendredi, c'est. Sur Tu la vois? tête de C'est du ma commerce. mère. Elle m'a dit, tu sais pourquoi dimanche et lundi c'est mort? Parce que les hommes mariés, ils sont en train de regarder. Ils sont Zone chez eux interdite. avec leur Non, femme. non, non, putain. Et On lundi aussi, dirait, hein, il y a plein de femmes qui voilà. travaillent pas. On dirait bison futé. La meuf, elle m'a dit, là-bas c'est bloqué. Là, c'est putain, fantastique. Non, mais plus, c'est vrai. Alors, c'est quoi tes horaires? Moi, je bosse. J'aime bien bosser le soir, en fin de journée, parce que je suis un peu. J'aime bien dormir le matin. En général, je prends ouais, vers 16h, 15h au pire, mais non, 16h, je finis vers 2-3h. Putain, Ça sont dépend. longues Des hein, fois, les je peux finir à journées quand minuit, même. Hein. comme à 4h, ou... mais ça dépend. Mais en général, en moyenne, c'est ça, tu vois. Oh, elles sont longues les journées. Le syndicat de pute, là, il est où? Parce que de 15h à 23h, elles sont longues les journées quand même. À 2h Non, du bah après je matin. m'occupe, hein. Ouais, Bah tu tu vois, bah t'occupes? déjà je vois des clients, après sinon je m'occupe, je regarde la Non. télé. Écoutez, Je suis à posée, tu vois, je vous. suis bien. Non, mais à vous, les quelbas respectables, il faut vous mettre 35 heures, comme nous. Vous travaillez trop, je trouve, moi. Attends, non, tu fais de 15h à 2h du matin, ça Bah fait pas combien? vraiment. 3 heures, Il y a 3 une heures, semaine dans le 4 heures. mois où je travaille pas déjà, tu vois. Il y a une semaine Comme dans le tout, mois. on travaille, bah, Ah! quand on a un Ah horaire, on ouais. travaille pas, tu vois. C'est vrai. Ok, ok, Et il y en a, du coup, bah, elles ok. travaillent tous les jours, 7 jours sur Ok. 7. Elles attendent juste leur semaine de règles pour se mettre en repos. Moi, j'ai pas envie de me tuer non plus, tuer mon physique, j'ai pas envie d'être KO. Je veux pas que ce soit non plus vu, enfin, que ce soit vraiment contraignant, en fait, pour Alors moi, quoi. attends, il y a un mec qui me dit 7000 euros, mort de rire, c'est mytho. Wallah, elle les fait les doigts dans le nez. Wallah, elle les Franchement, ouais, et fait ça, c'est les quand doigts tu dans le bosses nez. pas énormément. Attends, ouais. Et ça, c'est quand. Alors, c'est quoi ton mois où t'as fait jackpot? À Cannes. Oh putain, tu Cannes. as fait Ouais, combien Cannes, à ça Cannes? cartonne. Parce que c'est pas les mêmes prestats non plus, tu vois. Cannes, je vais faire plus 30 minutes chez eux, il n'y a pas de demande 30 minutes. Mais on bosse pas Putain, pareil. paix de Après, ça, sa comme je sais, c'est du mère! commerce, ça dépend des villes, tu Toi, bosses pas tu. pareil. Et Toi, tu. là, ouais, j'avais fait 18 à peu près, 18 000. Alors, 18 000 euros. Alors, on Mais doit après, la t'as un rythme guillotiner, derrière, tu celle-là. vois, t'as tes dépenses, Ben, t'as t'as un ton hôtel, rythme, ta putain, bouffe, tu waouh! vois. Ouais, alors, ouais. Alors, ouais. Alors, est-ce que t'as un véhicule? Moi, j'ai pas de véhicule personnel, mais Normal. j'en loue des fois. En fait, je Tu préfère me loues. déplacer moi en véhicule. Mais des fois, voilà, enfin, Non, j'ai parce pas que de tu sais véhicule à moi. que tu vas l'en faire riche, mais simplement, tout ce que je veux te dire, c'est que est-ce que des fois,
il y a des bouteilles d'eau dans ta voiture, dans ton coffre. Parce que je t'explique, toutes les putes... Des packs, elles... mais... Alors, ah, tu mets des packs, ouais, bravo. Alors, je pense que tu es au courant. Voilà, donc... Que j'ai soif, il faut boire. Voilà, mais toutes les putes, elles connaissent Kahadit. C'est la pute qui a donné à boire à un chat ou à un chien, et à cause de ça, les... grâce à ça, elle est partie au paradis pour une action. Donc c'est pour ça que dans le coffre des putes, il y a plein de bouteilles d'eau. La preuve, là, non, on moi, a un pack. C'est parce que j'ai soif, tu vois. Ah, pour moi, parce que j'aime bien boire de l'eau. En fait. Donc, voilà. Donc, alors, moi, j'aimerais parler maintenant de l'hygiène des clients. Est-ce qu'il t'est arrivé que tu as refusé des clients pour ça? Non, 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 parce que moi, je demande une hygiène irréprochable, déjà. Mais par contre, ça m'est déjà arrivé qu'un client vienne après le travail, mais de lui-même, avant, il me demande s'il pourra prendre une douche avant, tout ça. Et moi, il n'y a pas de souci, hein. La douche, allez-y même. Donc, non, franchement, je n'ai pas eu de problème d'hygiène. Non, 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 j'en ai une fois, si, c'était marrant, mais ce n'est pas un problème d'hygiène. Il travaille dans un kebab, il sentait à mort le kebab. Il a pris sa douche, hein. Même quand, oh là, il sentait trop le kebab. Quoi, il travaillait dans un kebab, c'était un turc? Ouais, en plus. Et j'avais l'impression de manger un kebab en faisant la prestation. Alors, j'ai une question à te poser. Est-ce que c'est vrai que les Turcs, ils ont tous des Marcelles? Hé, t'as fait l'amour en Marcelle? Franchement, ils ont quasiment tous des Marcelles, quoi. Ah la vache! Attends, bon, vas-y. Donc le mec, il pue le kebab. Ça veut dire, tu croyais qu'il y avait une miche kebab sur toi, Adana, un couveteux qui était sur toi. Non, bon, c'est vrai. Et alors, du coup, comment tu embrasses tes clients, toi? Non, j'embrasse pas. Je n'embrasse pas du tout. Jamais. Tu suces, mais tu embrasses mon pas. Visage, je veux pas qu'ils touchent vraiment. Voilà, c'est bizarre, hein, parce que même moi, je me suis déjà dit. Ouais. Mais embrasser, tu pour moi, c'est vraiment, tu vois, couple. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, après, c'est pas un prince. Ouais, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus intime quand t'embrasses, tu vois, c'est vraiment, c'est vraiment, ok. Alors, est-ce que, par exemple, il y a déjà des clients qui sont venus et finalement, ils ont rien fait avec toi, ils ont que parlé avec toi? Non, par contre, j'en ai un baron qui vient régulièrement et lui, il vient que, il me masse, il me raconte sa vie. Et il me paye il te masse. Le prix de la prestation, mais rien de plus. Et il te raconte sa vie, d'accord. Voilà, il me raconte sa vie. Quelle est pour toi la communauté la plus propre? La plus propre, les Maghrébins. Ouais, parce que nous on met les crèmes vite, nous. Voilà, ouais. Déjà, voilà, la vie de ma mère, vite. Là, France Football, je mets mon chronomètre pendant 6 minutes. Tac, c'est bon, il sonne, je fais une douche. Ouais, non, plus sérieusement, c'est vrai que les c'est eux les plus propres en fait. Bah, déjà. Ouais, puis même le terme, tu vois, de pourquoi moi aussi je prends beaucoup plus de rebeu, le fait que j'en ai beaucoup, c'est pas plus mal. Tu sais, le fait d'être circoncis, bah, c'est beaucoup plus propre. Après, moi, je sais que la fellation nature, je la fais pas à tout le monde. C'est vraiment quand je vois la personne, une fois que je l'ai déshabillée, que je vois de moi-même. Mais après, voilà, en français, jamais ça m'est arrivé de faire une fellation nature. Je ne peux pas, tu vois, en termes d'hygiène, vraiment. C'est quoi fellation nature? C'est sans préservatif? Ouais, voilà, avec ou sans. Donc ça, moi, je choisis sur place. Tu choisis et tu augmentes les prix pendant que tu y es. Sale pute. Bah, non, des fois, oui. Ouais, des fois, c'est des gens que je peux allumer, ouais. T'as raison. S'il y a des escrocs, c'est qu'il y a des pigeons. Non, mais t'as raison. Non, mais c'est important, quoi. Alors, est-ce qu'on te fait des demandes farfelues? Parce qu'hier, tu m'as fait froid dans le dos, hier, quand tu m'as dit... Vas-y, je te laisse. Donc, celle qui t'a choqué, toi d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois qu'on me demande de me voiler. Donc, moi je vais aller me piquer. Vous avez entendu? Allez, moi je vais aller me piquer. Je vais aller. Vous avez entendu? Et franchement, tu vois, les gars, tu dis pas que c'est ce genre de gars qui demanderait, tu vois. Qui c'est qui te demande de te voiler? C'est des rebeux de cité, des jeunes, des rats, tu vois. Mais il y a des demandes encore pires, quoi. Tu sais, les gens qui demandent un doigt dans l'oignon, tu vois. Alors que les mecs, ils sont là posés à 24 au terrain. Enfin, tu vois, ils sont là, ils font « traite-moi de chien ». Donne des noms ! Donne des noms ! Quel terrain ? Qui sont les sodomites qui travaillent dans les terrains ? Non, mais vous avez entendu ? Les mecs posés sur le terrain, ils écartent l'oignon. Putain de merde, mon Dieu, j'ai honte. J'ai honte, les mecs. Putain. Il y en a un, il a un enfant qui s'appelle comme moi, et ben il me dit à chaque fois, il pense
quand je parle à son enfant, il pense à moi. J'ai une demande aussi, moi, qui m'avait choquée. Ça, quoi, t'as un enfant moi, c'est-à-dire, tu as un enfant, toi? Non, moi, j'ai pas d'enfant. D'accord, Hamdoulé. Il a un enfant qui s'appelle comme moi. Lui, il a un enfant qui s'appelle comme toi? Voilà, et à chaque fois qu'il parle à sa fille, il pense à moi, il me dit. Sale fils de... Tu vois comment c'est chaud ou pas? Ils me racontent les stratégies qu'ils font pour tromper leur femme. Ce fils de pute! Attends, excuse-moi! Laisse-nous redescendre, là! Oh, les gens, vous avez entendu, là! Il dit, quand il est au parc avec sa fille, il l'appelle par son nom, il pense à une bitch! Star for Maladou! Non, c'est chaud, pas possible. Et le mec, tu le vois, mais jamais tu te dirais ça de ce mec. Vraiment pas, tu vois. J'ai pas envie. J'ai pas envie que tu joues Wallah. Sinon, après, je vais aller à l'église. Alors, j'ai ta parole que c'est vrai, tout ce que tu nous dis là? T'as ma parole que tout est vrai. Tout. Mon tout, Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Et donc, Wallah, tu vois que je te raconte la demande qui m'avait le plus. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Et après, voilà, il y a tout hein, comme demande. Mais celle-là, moi, m'a refroidi clairement. C'est un mec pendant l'acte. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, appelle-moi papa. Voilà. Et ça l'a fait totalement jouir, le mec, de me dire ça. Mais là, moi, ça m'a dégoûté. Pendant l'acte, il t'a dit « Appelle-moi papa !» Ouais, et c'est là qu'il a clash, tu vois. Non, franchement, ça c'est chaud. Star for Love ! Mais la terre est peuplée de fils de pute, c'est pas possible ! « Appelle-moi papa !» Non ! Ouais. Il était marié, ce bonhomme ? Je sais pas, lui, il m'avait pas plus raconté sa vie que ça, mais je l'ai pas revu, quoi. Je l'ai pas revu, j'ai pas voulu le revoir. Enfin, ça m'a vraiment mis un froid, quoi. Non, mais là, sur la... Ah non. Ah non, c'est incroyable. Non, mais Starf... Oh. Alors, est-ce qu'il y a des mecs, carrément, qui t'ont demandé de les pénétrer? Ouais, ça demande par message. Enfin, ça, en avance, ils demandent si je fais la domination. Donc, moi, je leur dis que je la fais, mais soft. Tout ce qui va être frappé... voilà, tout ça, je le fais pas. Et puis, il y en a, ils demandent, ouais, se prendre des godes ou des trucs comme ça. Mais moi, je peux pas, par contre. Des trucs comme ça, j'ai pas envie de faire. Alors, est-ce qu'on t'a déjà fait, comme dans le film, je m'en rappelle plus, où le mec, il y a une fille sur lui, plus il la chauffe et plus il l'habille en footballeur américain. Il lui dit, mets le maillot. Après, il lui dit, mets le casque. Dans Scary Movie. En fait, ouais, dans Scary Movie, ouais. Ah, putain, je suis dead. La tête de ma mère. Non, ça, non. Par contre, non. Après, t'as les demandes, les gens qui kiffent la piste, tu vois, de faire pisser dessus ou de me pisser dessus. T'as les gens, là, c'est ce week-end, enfin, là, cette semaine qu'on m'a demandé ça. Les scatos, là, tu vois, le mec, il voulait chier pendant les trucs comme ça, tu vois. Enfin, c'est vraiment dégueulasse, c'est répugnant, en fait, tu vois. Non, mais c'est quoi sur la vie c'est... Non, mais j'ai... C'est... Non, mais non. Moi, je suis un nouveau-né. Je pensais pas. Oui. Ah non, non, mais ça, oui, on est au courant. Et plus qu'on le croit. Alors, explique-moi. Les fétichistes des pieds, ils aiment se finir sur tes pieds, généralement, c'est ça? Ouais, en fait, ouais. Voilà. Et Benjamin, il vient que pour mes pieds. Enfin, je lui fais le prix d'une fellation, tu vois. Et il vient, en fait, il me lèche les pieds, il me suce les orteils, clairement. Et il se branle en même temps et ça le termine, tu vois, lui-même. Alors même que... mon Dieu. Je sais pas quoi dire. Alors évidemment, on est 6500 en direct, hein. Je le savais, bande d'enculés. Hein, je le savais. Si un frère était là pour faire un rappel, on aurait été 2000. Quelle honte, mesdames et messieurs. Peut-être de ma mère, j'ai un truc. Alors, tu fais quoi la semaine? Tu travailles, toi? Non, bah non. Non. Non, plus maintenant. Avant, ouais. Maintenant, non. Tu vas à la salle de sport, tu t'entretiens un petit peu, toi, ou pas? Ouais, moi, je m'entretiens, moi, bon, pas en salle, mais ouais, je m'entretiens beaucoup. Je fais du sport chez moi. Enfin, voilà, je m'entretiens vraiment, tu vois. Ok, alors, est-ce que, franchement, hormis l'argent, est-ce que déjà un jour, il t'est arrivé avec quelqu'un de prendre ton pied pour de vrai? Ouais, ça m'arrive, hein. Ça m'arrive parfois. Pas tout le temps non plus, mais ça m'arrive parfois. Franchement, ouais, ça m'arrive. Je te dis, j'ai vraiment des clients, ils sont vraiment beaux. C'est, alors, franchement, j'en ai, bah, ils viennent quasiment tous les jours, il y en a. Enfin, mais ouais, ça m'arrive. Tous les jours, ils viennent te voir. Mais j'en ai même, ils viennent deux fois dans la même nuit. Enfin, deux ça arrive. Fois franchement, ça arrive souvent, vraiment. Et je te mens pas ni rien. 100% de mes clients sont fidélisés, vraiment.
Ils ont une carte de membre, quoi. Ouais, il y en a qui me demandent carte de fidélité. Tu déclares aux impôts ? Si je fais les soldes. Non, bah non. Bah, pas... tu sais que tu peux dans ce pays. Et je pourrais, hein. Ouais, ouais, tu c'est peux. Pas illégal tant qu'il y a pas t'as de une retraite, là. Toi. Ouais, ouais. Moi, je vais cotiser pour toi, moi. T'as vu, moi qui moi qui soude. Voilà, je vais. Non, non, mais alors, est-ce que penses-tu la concurrence d'aujourd'hui venue des cités? Parce que toi, t'es d'une cité à la base. Non. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette prostitution organisée des cités qu'on voit de plus en plus? Ce que je pense, déjà, il y a beaucoup. Le terme beurette, il est beaucoup utilisé parce que ça attire. C'est vendeur monde, même si ouais, c'est vendeur pas. Apparemment. Ouais, c'est très la vendeur. Hein, ouais. Après, moi, franchement, ça me. Je pense, je me suis pas posé la question vraiment. La concurrence, c'est pas qu'elle m'impacte pas vraiment, tu vois. Mais ouais, non, pas plus que ça, franchement. Parce que les clients me le disent vraiment. Enfin, je me vante pas ou quoi, hein, loin de là, mais ils me disent que je suis une belle fille, que j'ai un beau visage. Et pour eux, enfin, même un beau corps, et vraiment. Pour eux, le visage, déjà, c'est hyper important. Et elles sont pas toutes belles, vraiment, vraiment. Il y en a jamais eu. Il y en a jamais eu un qui a fait le Zorro, qui a dit viens, je te sors d'ici, je t'assume. Si, ouais. Putain de merde. De quelle origine il était? Turc? Non, de quelle origine il était? Lui, c'est un Algérien, celui-là. Mais c'est déjà arrivé plusieurs fois, des gens qui me disent mets-toi avec moi. J'ai un Turc aussi qui m'a demandé, un Algérien. Après, je sais plus trop, mais c'est déjà arrivé, ouais, des gens qui demandent. Fais confiance au Turc. Le Turc entretient ses maîtresses. Inquiète-toi pas, va. T'auras la même série 7 que sa femme. Sûr, inquiète-toi pas. Putain, ouais. Alors, question à... Tu penses arrêter un jour? Ouais, quand j'aurai mis assez de côté, je vais aller à la Rambla, je vais aller à Abu Dhabi. Hein? Même pas. Non, non, franchement, je suis pas... Tu vois, moi, je me suis fixé un objectif, une somme, vraiment un objectif, des choses réalisables et réalisables dans le temps. Tu vois, on a un objectif smart, on va dire. Non, mais entre toi et moi. Entre toi et moi. Moi, je peux pas croire les gens qui me disent ça. Arrêter, tu sais pourquoi tu vas pas arrêter? Parce qu'un jour ou l'autre, parce qu'un jour ou l'autre, tu vas arrêter. Mais tu vas reprendre le travail et tu vas ouvrir ta fiche de paye. 1500 euros. Oui, alors. 1500 voilà. euros, je la fais. Je me suis dit, mais moi, les objectifs que j'ai à faire, c'est pas m'acheter un sac Louis Vuitton, hein, mon objectif. Moi, mon objectif, c'est de faire des projets qui me permettent justement d'avoir des sommes conséquentes, tu vois, enfin des sommes, des revenus. Je te demande pas du 15 000 euros par mois, c'est pas faisable non plus dans le propre. Mais voilà, je veux pas toucher 1 200, je sais que je peux pas, 1 200, non. Parce que tu t'es habitué à un certain mode de vie. Tout à fait, voilà. C'est toi qui choisis les hôtels là où tu vas? Ouais. Alors, tu peux nous dire, sans nous dire l'hôtel où tu vas, mais quel genre? Le Formule 1? Non, non, non. Formule 1, première classe, non, je prends pas, c'est miteux, tu vois. Je préfère mettre un petit billet pour mon confort parce que c'est là où je vais rester quand même toute la soirée, toute la journée, là où je vais patienter. Mais je prends plus des hôtels où les Mais c'est qu'elle est raffinée, la pétasse, là. C'est bien. C'est bah bien, ouais, ça. T'as vu, ouais, bah écoute, croissant, petit déj. Il faut pas le subir. Ouais, non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, tu vois, je suis là. J'apprends des trucs sur la vie de ma mère. J'apprends des trucs pour de vrai. Est-ce qu'il y a des gens, un jour, qui sont venus te voir dans des tenues où tu te dis, mais pourquoi il a mis ça? Si tu vois ce que je veux dire. Non. Rassure-moi. Non, pas vraiment. Personne n'est venu en camis et tout te voir quand même. Non, 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 ça non, par contre. Des barbus, oui. Mais pas ouais, les mais écoute, ce n'est pas la barbe qui fait le philosophe. Et j'ai encore mieux. Ouais. Alors, si toutes. C'est un proverbe albanais, je me rappelle plus. Il parle de chèvres et il dit pareil. Si tous les hommes saints avaient des si tous les hommes saints avaient des barbes, alors les chèvres seront prophètes. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste toi, je voulais savoir. Donc il y a plus de robeux qui viennent te voir, hein, alors. Hein. Ouais, énormément, un truc de fou. Un truc de après, fou. Après, c'est des légalités et tout, hein, ceux qui ont plus de thunes à mettre dans ça, tu vois. Un mec qui gagne 1 200, ça va le faire chier, je pense, de mettre 100 balles pour. Enfin, j'en ai qui le font, mais. Enfin, voilà, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais ouais, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de robeux. Et tant mieux pour moi d'un côté aussi. Tant mieux pour moi. Il y a beaucoup de demandes de Renoir aussi. Mais il y en a, ils le précisent déjà d'avance. Parce qu'ils ont dû déjà avoir des refus. Ils me le disent. Par contre, je suis Renoir. Mais pourquoi tu essayes pas avec eux? T'as jamais essayé? Pas...
Non, ça me donne pas envie, franchement. Ça me donne pas envie. Comme un gitan aussi. Hein. Mais ça, c'est moins fréquent, les demandes de gitans. Mais Ah, non, les ça me gitans, ils donne sont pas envie. fidèles. Entre parenthèses. Non, bon, alors, Ouais. ok. Et puis, combien un jour un client t'a donné au maximum? C'est pour une nuit. Une nuit, je l'avais fait à minuit. C'est quoi une nuit? Une nuit, j'arrive le soir vers Tu 20, sors au 21h, tu resto vois. avec lui, tu... Bah, là, je ne l'avais pas fait avec lui. Lui, il avait... enfin, ça ne l'intéressait pas. Il voulait juste que je la rejoigne à son hôtel. Et on s'est D'accord. posé. Enfin, il a remis du champagne. Après, moi, voilà, j'ai bu une coupe hein, parce que j'ai pas envie de me mettre dans un état second quand je bosse, on va dire. Mais ouais, voilà. Enfin, 1008 la nuit, quoi. Comment on fait pour rester avec toute la nuit avec un... Enfin, moi, tu vois, moi, je vois le truc, c'est très mécanique, quoi. Tu vois, moi, je sais pas, moi, ça m'est jamais arrivé, ça m'arrivera jamais. Mais bon, moi, je serais plutôt le genre de mec, je retire pas mon jean, quoi. Je baisse tout sur les Timberland, je te pine, après, c'est fini, je pars, quoi. Tu vois, je parle pas de toi, mais Non. moi, je suis... Voilà. Mais les Ouais. mecs, comment tu fais, toi? C'est mécanique, moi. Comment tu fais, toi, pour après... L'acte, rester avec eux, parler avec eux, manger avec eux, enfin... Bah, en fait, quand je fais ça, c'est pas de moi qu'ils demandent, hein. Mais j'en ai quelques-uns qui sont comme ça, tu vois, qui font leur coup et qui se barrent. J'en ai hein, quelques-uns, je te mens pas. Mais la majorité, c'est eux-mêmes. Ils demandent si on peut fumer une petite clope, un petit joint, s'ils veulent se rincer. Tu vois, je fais pas non plus, je fais pas la meuf non plus. Tu vois, je suis gentille avec eux. Ils veulent se rincer, bah va te rincer, tu vois. Tu vois qu'on est encore dans les temps, à 2, 3 minutes près, on va dire. Après, voilà, il y en a qui demandent si on peut fumer une clope, tout ça. Mais ouais, il y en a, enfin, il y en a beaucoup, ils me demandent, tu veux que je te ramène à manger, tu veux que je te ramène ci. J'en ai plein, ils me demandent si t'as besoin d'un chauffeur, si t'as besoin que j'aille te chercher à la gare, Pa, pa, quoi pa, que ce pa, soit, pa, tu pa. m'appelles. Enfin, vraiment, ils sont. Ces mecs-là, C'est. ces mecs-là, ils laissent leur femme aller à Lidl en bus. Ouais, Wallah c'est l'adim, j'ai vrai. envie de les afficher, les fils de pute. Alors Tu attends. vois, j'en ai eu un. Fou là là. Vas-y, j'en ai un là par exemple. Il m'a dit, c'est la dernière fois qu'on se voit. Écoute, là, je vais me marier et tout. Bah, je lui dis, bah écoute, c'est bien, bah bonne continuation à toi. 2 jours après, il revient. Je lui dis, Il bah était écoute, t'as marié. décalé ton mariage. Et il m'a dit non. Mais il s'est marié, ouais. Miskina, wallah, tu sais quoi, je vais te dire Voilà. une chose, entre toi et moi. Tu vois, malgré que... Bon, voilà, tu sais que je t'aime pas, et puis... Bon, bref, c'est pas grave, mais est-ce que toi, quand tu parles de valeurs et de principes, essaye, quand t'as affaire à ce genre de mec marié, pourquoi tu les prends? Bah Pourquoi après, tu... moi, pour moi, L'argent n'a pas c'est. d'odeur à ce point-là? Ouais, je sais, mais je suis. Enfin, c'est 80% de mon chiffre, hein, les hommes mariés. Enfin, après, là, c'est le taf, tu vois. C'est, Ouais, 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 ça me fait de la peine, hein. Je dis pas, ça me fait de la peine. Mais bon, après, s'ils vont pas me voir moi, ils vont aller voir la voisine. Enfin, tu vois ce que je veux dire, autant que ce soit moi qui prenne le yabi. d'accord. Est-ce que la concurrence, elle est rude? Non, pas vraiment. C'est vrai? Après, non, pas, franchement, pas vraiment. Ouais, Je mais fais pas toi, la c'est meuf ou quoi, facile parce que mais maintenant, quand t'as la j'arrive dans une ville, clientèle. le bouche à oreille, il se fait, tu vois. Le bouche à oreille, il se fait. C'est-à-dire, quand t'arrives dans une ville, tu snaps en disant, je suis là. Ouais, voilà, Non, sur mon annonce du vous vous lundi, dites comment? quoi. Je suis dispo. Voilà. Ouais, vous dites comme ça. Ouais. Tu dis, je suis là, et puis les habitués, donc, savent quoi, à peu près. Voilà, les habitués savent. Après, on me demande beaucoup dans des villes où je suis jamais allée de ma vie moi-même. Ok. Tu vois, des villes que je ne sais même pas, enfin voilà, mais des villes où je suis jamais allée. Et après, voilà, quand je prends un nouveau terrain, on va dire, hein, c'est comme un mec dans la Bibi. Si je prends un nouveau terrain, bah, j'arrive, j'ai les peut-être 3-4 clients. Le lendemain, j'en ai 8. Ces 8, ils vont parler à leurs potos. Enfin, tu vois, il y a T'es des villes, déjà, en une journée, je ne peux pas faire tu es tout le monde. déjà, t'es déjà venu à Lyon? Ouais, je suis Parle-moi des déjà venue à Lyon. clients, Je suis venue 3 fois. parle-moi un Bah, peu je suis pas venue beaucoup des à Lyon. Lyonnais. Alors, les Lyonnais, pareil, c'était des gars de cité. Hein. Bah, ils ont kiffé, ils voulaient revenir, mais je suis pas retournée. Justement, bah, c'est un petit peu loin pour moi. Mais je compte y retourner, hein, d'ailleurs. Parce qu'il y a, bah, par exemple, il y a de la demande qui se fait à Lyon maintenant. J'ai un peu plus de demandes que quand j'y avais été. Et quand D'accord, j'y parce avais été, que... moi, c'est là, c'est mon ex qui m'y avait envoyé. Donc, ça fait un petit moment. D'accord. Après, moi, j'y suis Parce pas retournée, mais il y a de la demande, ouais. qu'en fait, à mon avis, c'est tes clients qui ont dû parler à leurs potes, ils se parlent entre eux, des enculés, t'en sacrin. Alors, Ouais. est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te faire niquer sans se figurer et sans se propre? C'est-à-dire, t'encaisses tes prestations avant ou là après? Avant, tout le temps avant. Ok. Dès que la personne rentre, je prends le billet.
Comme je lui ai dit, je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Et il te laisse un billet quand c'est fini, genre, et tout, ils sont contents? Ouais, il y en a plusieurs, ouais, qui rajoutent. Ouais, ils rajoutent 20 balles, 100 balles. Ouais, il y en a qui rajoutent. Ok, On me d'accord. ramène souvent des petits cadeaux, tu vois. T'es Des parti à Marseille? fleurs mettent. Non, jamais. T'es parti sur la côte un peu? J'ai fait Cannes. Ouais, Cannes. Ils sont comment les mecs de Cité de Cannes? Ils sont un petit peu. T'as vu, t'inquiète pas, cette boîte de nuit, J'ai elle est à non, moi. j'ai pas une Tous les expérience. jet skis qui J'ai sont. pas Ah bossé ouais. pareil à Cannes. J'ai pas bossé pareil. J'ai pas fait par mon annonce. Je voulais pas justement ce genre de client. Moi, mon but c'était d'avoir les blindés là-bas. Je suis allée me poser en terrasse dans un soir. Pas non plus habillée en mode prostituée racolage, hein, vraiment. Mais voilà, sexy. Hein, je suis allée et j'ai commencé à parler avec un gars. Bon bah, je lui ai dit tout de suite, hein, clairement que voilà, monnaie quoi. Et voilà. Mesdames et Après lui avoir la messieurs, petite enfant. reste avec nous s'il te plaît. Mesdames et messieurs, regardez la réalité. La réalité en face, elle est là. Quand on parle de choses qui veulent faire avancer la communauté et les gens, on est 3K en direct. Là, on est avec une Kelba, on est 7K. Regardez la réalité. Voilà la réalité, mesdames et messieurs. Elle est là. Elle est là. Bon, voilà, c'est tellement c'est des gens stupides, cupides, bien sûr. Alors, tu t'es déjà fait braquer? Non, jamais. Alors moi Tu j'essaie n'as d'être pas peur de filtrée. ça? Après, on est à l'abri de rien, comme je te dis. Ah, attention, ah bah Bah, oui, ça ah peut bah oui. arriver. J'ai quand même j'ai mes prédispositions, si jamais, tout ça. Mais moi j'essaie de filtrer au max, vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment, je travaille les gens avant de les recevoir. Enfin, je travaille les gens, je ne vais pas parler une semaine non plus avec eux. Hein. Mais je vais travailler un peu, je vois comment ils parlent, j'écoute comment ils parlent, tout ça. On va dire le seul, entre guillemets, bernage qu'on a pu me faire, c'est un mec, franchement, il a été trop fort. Et de moi-même, ça m'a servi de leçon. Il m'avait dit, enfin, il m'a envoyé, je lui ai dit, envoie une photo et tout. Il m'a envoyé une photo, il se faisait passer pour un Français de 35 ans. Il m'avait envoyé une photo d'un mec, un Français de 35 ans, en me disant, voilà, non. Franchement, je l'ai cru quand il arrivait devant moi, c'était un jeune de cité. Donc j'ai eu entre guillemets de la chance que c'est pas quelqu'un qui me veuille du mal. Et il m'a dit voilà même pour toi tu vois même une photo ça veut rien dire et tout. Fais attention. Il y a même des gars hein, ils me disent fais attention si. Enfin c'est des trucs que je sais aussi déjà quand même. Tu J'ai mets quand ta même une petite tête longueur d'avance. dans Certains tes trucs hein. photos, toi? Non Tu mets la jamais tête? Jamais. jamais D'accord. jamais Ok. jamais. Donc, tu fais comment entre nous, avec tout l'argent liquide que tu as? Tu fais comment? Tu le mets sur le compte en banque? Tu fais comment? Tu essayes de gérer? Bah déjà, je vis en liquide, tu vois, mes vraies dépenses, enfin mes dépenses, je les fais surtout en liquide. Tu vois, tout ce qui est bah, les hôtels, enfin tout, tout, tout en liquide. Fais Et attention. après, bah, Fais après, attention. je peux pas vraiment me mettre en compte Attends, en attends, banque. attends. Ouais. Aujourd'hui, tu te fais péter avec 1 000 euros en liquide. Avec Ouais, 1 001 euros en liquide. 1 001 euros. Tu justifies pas, ils te les prennent. Hein, sur la tête de ma mère. Hein. j'ai moyen de les justifier. En fait, tout est calculé. Tu peux pas te lancer dans un truc comme ça, comme je reviens. On va dire, il y a une étude de marché dans la ville où tu vas. Tu te lances pas dans une ville comme ça. Tiens, j'ai envie d'aller là, j'y vais. Il y a tout à regarder. Et pareil pour soi, tu vois. Faut prendre toutes les précautions possibles. Moi, j'ai une famille. Bah, j'ai aussi de ma famille à me protéger, tu vois. D'accord. Et puis, Mais après, voilà, faut avoir une petite longueur d'avance, tu vois. ouais, Il y a bien même sûr. On garde des mecs, avance. ils y penseraient, ils se feront pas péter si facilement. Ouais, exact. Donc, est-ce que tu comptes te marier un jour, avoir des enfants? Non. Peut-être, franchement, Non, peut-être, je sais non. pas, j'y Moi, ai je crois. pas. Moi, je t'y encourage pas, t'as vu? Bah après, je sais pas, Non, hein, tu je sais sais pas de quoi il fait pourquoi? demain. Là, pour l'instant, non, mais... Non, tu sais pourquoi? Parce que. Tu sais pourquoi je t'encourage pas? Parce que les pauvres. Le bébé sera à l'état de l'embryon que ça sera déjà un fils de pute. Donc, ce que je Ouais, veux dire. alors ok, mais ce sera un fils de pute officiellement. Ce sera pas un fils de pute que même leurs pères ne savent pas que leur mère au gamin c'est une pute. Toutes Ouais, ces si tu meufs veux, là ouais, qui font bon, les bah. vierges, qui font ci, Ouais, qui font ça. ouais. Moi-même, Tiens, moi je préfère ce que je en suis. parlant de ces meufs-là, t'as dit une chose hyper Ouais. intéressante quand tu m'as dit que beaucoup de femmes viennent te demander plein de conseils. Vrai ou faux? Oh putain. Beaucoup de petites beurrettes, ouais. Elles m'envoient leur tête et tout, hein. Il y a pas. Enfin, tu vois, j'ai déjà parlé avec eux et tout. Il y en a même, elles me disent, moi, je bosse pour toi si tu veux. Je préfère bosser pour toi que pour un mec. Après, moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de me faire cramer bêtement. Je préfère faire mon truc solo. Enfin, tu vois, Ouais, je c'est fais pas la normal. gourmande, on va Tu dire. vois tes intérêts, c'est tout à fait normal ça. Dernière chose,
Tu m'as dit, t'as... Rappelle-nous l'âge que t'as. 24. 24 ans. Alors, tu vis de quoi? Tu vis... Tu touches le RSA? Est-ce que tu touches les... Non. Non, moi, officiellement, je suis embauchée dans une entreprise. C'est une copine à moi qui a une entreprise Tu vas et elle jamais là-bas, fait des quoi. fiches de paye. Voilà, moi, je D'accord, fais un très petit bien. fiche de paye, c'est des soins esthétiques à domicile, tu vois. Non, mais t'es Donc, aux yeux de ma franchement... famille, aux yeux de tout, je suis Franchement, comme ça. t'es une pute très correcte, quoi. Parce que tu n'es pas comme certaines qui ont des enfants, qui touchent les Voilà. prestations familiales. En plus, elles font ça. Il y a des Moi, meufs, je connais... elles font Il ça y a pour des des sacs meufs... Chanel et elles vivent dans des studios à Bobigny, tu vois. La Forcément, tête de ma il y a mère, le il y a des meufs, confort, il y Laurent. a... Il y a des meufs, un mec, il m'a dit un jour, il était en train de la piner, il entend pleurer. Un bébé, 18 mois, en train de dormir. Dans la Non, c'est chambre. chaud. Elle lui a pas dit. C'est chaud. Elle lui a pas dit. Putain, c'est un Ouais, truc voilà, de ça fou. c'est contre mes principes, tu vois, par exemple. Ouais. Alors, comment ça se passe? Elle te fait tes fiches de paye, mais... Bon, sans rentrer dans les Ouais. détails, mais... Au niveau des virements bancaires, faut bien qu'il y ait des traces. Pour que... Je sais pas Bah, si me tu vois ce que laisser je veux en dire. fait. Moi, je passe C'est l'argent en bien. fait. En liquide, Ah! je passe l'argent plus les charges Putain. patronales qu'elle, elle doit Oh, payer. putain. Donc, moi, je perds Putain. les charges patronales, c'est tout. En Et fait, derrière, ça me blanchit un petit salaire, quoi. tu payes un emploi fictif. Mais t'es trop fort, toi. Voilà. Et je pourrais Incroyable. toucher le chômage aussi. Quand on va Oh la se tête de... séparer de contrat, Non. j'aurai le chômage. Toi, t'es la digne héritière du gang du Lyonnais. Dans le sens où, là, tu nous fais un coup de maître. Non seulement tu vas toucher le chômage sur ce que tu déclares. Tu déclares combien? Je suis à un petit peu plus 1 200. Des fois, on va dire, quand elle a des objectifs de prestation, on va dire angulaire, tout ça à réaliser. Quand je dépasse les objectifs, une fois sur deux, ça me donne un peu plus. Enfin, voilà, en fait, Ouais, c'est. alors est-ce que t'as appris à détecter les faux billets? Ouais, ça, ouais. En fait, c'est facile. Tu le mets. Moi, j'ai toujours une petite lampe allumée sur ma table. Je le mets sur la lampe. Tu vois, tu sais, à l'intérieur du billet, s'il y a la barre, après au Ouais. toucher, sur les petits côtés, s'il y a Ouais, le ouais, truc, ouais, ouais, le ouais, ouais. fougueux, là, voilà. Mais ouais, Est-ce ça, que... faut faire attention. Une fois, il y en a un qui a essayé, d'ailleurs. Et je me D'accord, suis ouais, dit, c'est ce mais. que j'allais dire. Non, Ok. il s'est décomposé. Il m'a dit, ah, oh, désolé. Mais ça m'est déjà arrivé, moi, d'en avoir un dans un commerce, par contre. Genre, quand je vais au magasin, je vérifie pas le billet que le commerçant me donne. Ok. Et puis alors du coup, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que franchement, matériellement, ta vie a changé? Est-ce qu'aujourd'hui Bah tu... moi, enfin, ma vie, elle a changé, oui et non, oui, quand même, oui. Je vis dans un appart que j'aurais pas forcément avec un salaire, voilà. Enfin, un petit peu, elle a changé un peu, mais je suis pas non plus la gourmande, tu vois. Je suis pas la meuf qui va mettre le sac LV, tout le temps la marque, blablabli, blablabla, bling bling. Non, pas du tout, du tout. Les voitures que je loue, je reste sur du basique. Enfin, tu vois, je loue une Cliopas, Ouais, je m'en fous, en fait. Un tu pètes minimum, enfin, pas. le confort, voilà, Tu mais je pètes veux pas plus haut pas... que ton cul, vu qu'il est déjà Voilà, je veux pété, pas non? attirer l'attention déjà. Voilà, Ouais, ouais. voilà, tu vois. Exactement. Ouais. D'accord, très bien. Bon, bah écoute, franchement, je. Voilà, quoi, on a fait le tour. Bon, ben, Voilà. voilà. Alors, est-ce que. Je sais pas, je pense qu'on a tout fait le tour, hein, mesdames et messieurs. Hein. Très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ce témoignage-là. Et puis, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Et Voilà, ben bah à bientôt. écoute, hein, s'il y a des escrocs, c'est qu'il y a des pigeons. À bientôt. À Ouais, mais jamais. là, c'est même pas de l'escroquerie, hein. Au contraire, c'est du plaisir, que je leur donne. Non, il y a des gens, il y a des gens, ils volent. Je sais pas quoi dire. Bon, là, moi, je vais aller faire un joint. Bon, voilà. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Et Ouais. puis, puis on se dit à jamais. Ciao. Allez. Bon, voilà. On la remercie, hein, on la remercie pour ce témoignage. 7200 pervers. 7200 qui aiment lécher les pieds. Bande d'enculés, va, 7200. La honte. Wallah, j'ai fait mon record sur une péripatéticienne. Voilà où on en est, mesdames et messieurs. Allez, il est 23h. On revient à 23h20. Salam alaikum.